Bonjour, nous nous retrouvons cette fois-ci pour le décodage de l'énergie mensuelle du mois d'octobre 2021. Tous les mois d'octobre sont toujours associés à l'animal du chien. Cette année-ci, il s'agit du chien de terre. La terre est la métaphore par excellence de l'ancrage. Il se trouve que nous sommes dans un des rares mois cohérents de l'année 2021. C'est-à-dire que l'énergie de l'élément associé à l'animal est la même. Parce qu'en fait, le chien n'est pas tant un chien que l'agrégat de trois éléments chinois, la terre, du métal et du feu. Alors, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le mois est cohérent, les énergies sont plus puissantes. Mais ce mois-ci, il s'agit d'une certaine manière, on pourrait dire de terre sur terre. Donc il y a un effet d'ancrage, certainement. Certains diront de blocage. Ce qu'il faut tout de suite entendre, que nous ne sommes pas du tout dans un mois de renouveau. Nous sommes dans un mois de consolidation des bases. Donc dans toute situation où les parties sont opposées, le mois d'octobre va tenter de bouger les lignes, mais ne devrait pas, sauf cas exceptionnel, donner davantage clair à un camp ou à l'autre. C'est absolument pas grave parce que le renouveau, y vient. Dès le mois de novembre, nous aurons le retour de l'élément chinois du bois, qu'on attend depuis très longtemps, le bois métaphore de la croissance, et surtout dès février prochain, j'en ai parlé plusieurs fois, nous rentrerons dans une séquence de 3 ans qui apporte du bois, du renouveau, de nouvelles manières de faire les choses. En clair, on n'y est pas encore, mais on est à la fin de postures défensives, d'enracinement, qui favorisent, et ça c'est leur bon côté, la consolidation des bases. Pour être vraiment clair, si on met un petit peu de côté les explications et ce que j'appelle les chinoiseries. Le mois d'octobre, qui démarre là, le 8, est un mois où il vaut mieux voir que dire, faire que de s'interroger. C'est un mois où il convient d'être en alignement avec toutes les forces accumulées. C'est aussi un mois qui nous demande de laisser passer, laisser couler les enjeux qui ne sont pas encore en voie de résolution. Ne nous engageons pas dans des batailles qui ne sont pas la nôtre. Nous avons encore à profiter de ce mois-ci pour consolider les changements dont nous sommes nous-mêmes porteurs. Donc, pas d'effet d'annonce intempestive, pas de victoire proclamée trop tôt, pas de bataille inutile et pas de discours. Donc là, je vais peut-être faire une vidéo plus courte que d'habitude. Le fait que ce soit un mois homogène provoque moins de secousses. Ça, c'est bien pour le lent déploiement en cours depuis le début de l'année d'une nouvelle manière de fonctionner en réseau. Continuez à communiquer quoi qu'il arrive sur tous les fronts de manière large va avoir de moins en moins d'intérêt. Ce qui est en train de se consolider et ce dont on va voir le bénéfice à la fin de l'année, c'est une capacité de fonctionner en cercle plus étroit, en réseau de confiance, en groupe de compétences, et donc pour cela, plus vous avez une capacité d'indifférence à des sujets qui ne sont pas les vôtres, à des batailles qui ne vous appartiennent pas, à des défis qui n'ont rien à voir avec votre propre chemin de vie, plus vous allez gagner en assurance pour vous positionner, et dans les mois qui viennent, novembre déjà, décembre, janvier, pour prendre la parole sur ce qui seront vraiment vos vrais sujets. Alors, j'oublie régulièrement de dire que ces mini-vidéos sont un morceau
d'un patchwork plus large, dans un effort que je continue à porter de diffusion, d'information sur tout ce qui a à voir avec une posture individuelle d'autonomie. Et donc, je fournis ces vidéos, des articles, la plupart sont accessibles gratuitement sur mon site, les podcasts et surtout mes ouvrages. Mon objectif n'est pas de convaincre de la pertinence de ces outils, c'est à vous de tester, d'utiliser. Mon objectif, il est vraiment votre autonomie. Donc, merci d'être là. Pensez à partager chaque fois que c'est possible et continuez de m'encourager parce que votre présence me fait du bien. Au revoir, au mois prochain.